Le lundi nouveauté. La. Oh les amis, pourquoi Monsieur K est tant en joie en ce beau lundi confiné? Tout simplement parce que, oui, comme je viens de le dire, c'est un lundi nouveauté. Et qui plus est, c'est un lundi nouveauté schmoppa. Alors oui, forcément, je suis en joie. Malgré tout, ma joie risque de ne pas durer parce qu'aujourd'hui, on va donc à découvrir ensemble un tout nouveau shmup qui vient de sortir. Mais il concerne un jeu de tir horizontal. Et vous savez très très bien comme je suis bon sur les jeux de tir horizontaux. Oui, je l'ai admis très tôt. Je crois que ça m'a pris vers 16-17 ans. Et depuis, je traîne cette tare. C'est la raison pour laquelle je vais utiliser d'un subterfuge aujourd'hui. Oui, je vais utiliser d'un subterfuge pour pouvoir m'en tirer. Pour pouvoir vous présenter Desatopia. Oui, Desatopia, c'est un jeu, vous allez le voir, vous l'avez peut-être vu déjà sur les screens, qui est très 8-bit stylized, comme on dit. Oui, il aime le gros pixel et il aime les montrer, il a aucun complexe. Je peux vous assurer que la BO, bah, vous l'entendez derrière, elle est à peu près du même niveau, hein. Et du coup, il assume totalement son mode rétro. Ceci dit, ça n'empêche pas qu'il va introduire un mode de jeu, forcément assez atypique, on va dire. C'est la raison pour laquelle bah, je vais passer le relais à mon clone, même s'il a pas très envie. Allez, vas-y, Coco, c'est à toi. Je voulais pas venir à la base quand même, je veux dire. Hein? Parce que j'en ai marre d'être le cobaye à chaque fois qui fait le premier run, le tout premier dans le jeu, et qu'il essaye devant tout le monde et se prend la tôle, devant tout le monde et prend la honte. Non, mais t'es le clone bêta, t'es là pour ça, donc tu vas y aller, Et puis Coco. arrête de m'appeler bêta, quoi. C'est plus. Tout le monde sait que t'es l'original, mais quand même. Et tu te plains en plus? Quoi? Non, je me plains pas. Ok, j'y vais. Je peux faire une intro aussi, moi, quand même, un peu? Je sais Allez, pas. allez, C'est réservé à allez. des pros, ça, normalement. Bah, faut bien que j'essaye. Eh bonjour, c'est Monsieur K, bienvenue dans The Big Game of Ski, le nouveau. C'est un lundi. C'est un lundi, c'est une nouveauté. Et en plus, c'est un shmup. Vous avez vu comme je le fais bien, en fait? Ouais, on croira le même. Je suis pas un clone pour rien. Et donc aujourd'hui, bah, on va dans On l'a Desatopia. Comment déjà ça? Il y a quelqu'un dit. qui vous l'a déjà dit. Je suis bêta. Non, arrêtez avec ça, c'est vraiment pas sympa. Allez, on y va dans Desatopia, c'est now. Oh là là! Voilà le premier problème que je redoutais. Il utilise vraiment beaucoup de touches. Oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc il va falloir bouger avec le stick gauche, mais en plus il va falloir tirer dans les différentes directions. L'original vous a expliqué pourquoi aujourd'hui, en fait, on est deux pour commenter ce jeu. Puisque moi je vais vous donner les réactions à chaud de la découverte, qui ne manquera pas d'être piquante, oui, comme ces petits bonbons qui arrachent la gueule. Et du coup j'ai besoin de focus, donc je vais pas parler beaucoup, je crois. Et en plus c'est un shmup horizontal, et vous savez tous très bien que je suis génétiquement mauvais dans les shmups horizontaux. Donc je prends pas trop de risques, et s'il y a besoin de commentaires techniques, je compte sur l'original pour intervenir. On y va? J'ai peur. J'ai pas envie d'y aller. Ah, mon jeu a freeze, qu'est-ce qui se passe? Ah non, c'est un japonais qui a fait ça apparemment. Ouais, parce que valider c'est sur le bouton de droite, hein, et pas le bouton du bas comme nous on a chez nous. Très bon, moi prendre. Je trouve que c'était moqueur. Alors on peut choisir ses routes. On va se laisser mener, hein. Je débute. Hunter de Tower, clear the stages en 15 minutes. Alors il y a déjà un truc à déverrouiller en plus. Oui, parce que ça, mon original va vous l'expliquer, mais. Non merci, ça va aller. Le jeu, c'est une mine, mais pas une mine que de boulettes, vous allez vite le voir. Oh purée, alors je tire devant. Et c'est pas les mêmes tirs en plus. Oh putain! Ok. Cet écran, what the fuck, qui est déjà saturé d'informations. Ok, on move, on swap à gauche.
on bombe à droite. Touche pas à droite donc. Pas pour l'instant, ce serait moche. Et il faut se rappeler de tout, c'est important. Quoi? C'est quoi cette arme? D'accord, on peut frôler le décor, on peut toucher le décor, mais on peut pas se laisser mettre dans un cul-de-sac ou un obstacle qui ferait kaboum. Jusque là, c'est à peu près clair. Donne-moi une... Non. Ah mais en plus, les armes s'orientent. Vous avez vu que je m'applique, je prends vraiment le temps de lire aujourd'hui. Ça va être monstrueux. Ok. J'ai pas le temps de lire. On m'a dit ennemi tiré. Je tire. Oh, des petits cochons, des animaux. J'aurais dû regarder les screens d'avant. Il doit y avoir un truc avec les animaux, je pense. Alors, oui, je me suis quand même renseigné avant de me lancer dans le jeu. Innocent que je suis. Oh là là. Et on m'a prévenu justement, c'est pour ça que je redoutais tant d'y aller et que Monsieur K bah, n'a pas été capable de venir en personne, il a envoyé moi, le clone bêta. Et c'est moi qui vais morfler. Mais une fois le jeu pris en main, je pense qu'il va être facile. Ça doit être le virus. Alors, ouais, faut acheter les bombes. Ok, changer les jauges, ça doit être super intéressant je pense, mais on le fera pas. Merde, j'ai encore appuyé, j'ai pas vu ce qui était écrit. D'accord, oui, bah, ils sont prend des dommages des ennemis, c'est à peu près normal jusque là. Je sens qu'il va y avoir un gameplay tordu. Je pense qu'on m'a pas assez prévenu. On récupère les animaux pour payer dans la boutique. Alors vous savez quoi on m'a prévenu? On m'a dit, la boutique, tu sais dans les shmups, le jeu s'arrête, puis tu peux aller faire tes emplettes. Là, non. Ça veut dire qu'il faut aller dans la boutique, déployer le menu, choisir en même temps qu'on est soudé. Nuée de boulettes on va le dire, parce que je doute pas que le jeu va être généreux à ce niveau-là. Original, tu m'as toujours pris à aller à ma place. Non, vraiment, sans façon, ça va aller. Oh oui. Alors, si tu arrêtes de tirer, tu peux collecter des plus gros cristals. Ah non, tu peux attirer les cristaux dès que tu arrêtes de tirer. Ok. Et plus c'est rose, plus c'est... C'était quoi la première règle, déjà? Pourquoi je prendrais mon lower gun pour... Bah non, il faut que je prenne celui du dessus. J'ai pas le temps de dire. Ah, Bilo, non, c'est en dessous. Ouais, non, on est d'accord. C'est moi qui ai confondu. Confondu. Je me tais, je joue. Je veux sortir. Laissez-moi partir. Non, faut que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse, ce jeu. Je peux pas. Moi, je... Non. Oh là là. Continue hein, des fois qu'elles deviennent plus grosses. Oh là là. Hein? Monsieur le développeur, va falloir qu'on discute. Je suis prêt à apprendre le japonais pour t'expliquer des choses parce que tu m'as l'air d'être sacré bon pervers. Et il y a un ronk. Ça va être violent. Oh, this step to open the shop. Oui, il faut que je remplisse ma jauge de shop, donc. En ramassant des animaux. Une fois que la jauge est pleine, la boutique s'ouvre 3 secondes après. Je suis invincible 3 secondes, donc. Mais,
Dès qu'elle s'ouvre, dès qu'on touche un truc, c'est ce qu'on prend. Ok. Je vous laisse noter. J'en aurai besoin, je ferai une interrogation écrite à la fin, noter tout. Il me reste encore 7 secondes. 6, 5, 4, à dire des conneries, moi j'ai rien vu. 3, 2, 1, 0. Non. Non, vraiment. Apparemment, j'arrive même pas à ouvrir cette damnée shop. Ah, je vais prendre ça. Ouais. Utilise le Russian, dude. Je sais. Mais où on va, les gars? On n'a pas encore commencé le jeu, on est sur le tuto. Original. Tu veux pas prendre le pal? Stop. J'ai pas lu. Ce serait une surprise. Alors pourquoi des fois j'ai des diamants et des fois j'ai des animaux? J'ai pas pigé la différence, je m'en rappelle déjà plus. Alors j'arrose, j'arrose. Ouais. Y'a un max charge. Là ça me plaît. Je peux pas. Vous savez très bien que j'ai déjà oublié la moitié des trucs du début. Oh purée. Vas-y bien, vas-y. Attends, il se recharge, comme ça tu mets un gros coup. Go set is back, free fire. Voilà. On va essayer, on va essayer. Je garantis absolument rien. Tous les flingues peuvent être utilisés en même temps. Je vais descendre. Oh purée, on va y arriver. We will survive, mes amis. Notez bien ça, j'ai pas lu. On s'en fout. Alors le score, oui, je suis là pour le score, c'est clair. Respire, ça va bien se passer. Je vous avais prévenu, vous avez pas voulu m'écouter. Oh, oh mon dieu. Non mais je vais pas utiliser une bombe, j'en ai avoir très beaucoup besoin, je pense très rapidement. Acheter les bombes, ça va être cruel, ça. Je vais l'arroser d'abord. Et je le pompe. Shazam dans ta poire. Ouh, mais c'est que ça a des patterns à cet âge-là, déjà. Faut que je me rappelle que ça ralentit mon vaisseau quand j'ai plusieurs tirs. Ah, bah oui, là, il y en a besoin. Comment je l'ai squatché? Oui, à coup de bombe, c'est pas très fair play, mais... Bah, ça va, on a l'habitude, hein. Alors, pas de commentaire, l'original. Et il y a aussi d'autres choses en réserve, mais on vous les décrit pas, c'est pas la peine. Vous serez assez grand pour les découvrir. Animal chips. En plusieurs couleurs. Il y a des trucs cachés. On n'a pas encore commencé la partie. Ça fait combien de temps? Ça fait quasiment 10 minutes. Alors, le life, je retiens. Ça m'intéresse. Bon, je retiens aussi. Speed, non. Non, speed, j'oublie. Le reste, j'oublie, c'est pas grave. Life, bombe, on y va. Ouais. C'était pas de la patience, c'était une séance bondage de préliminaire. On y va. Yeah, let's go. Oh.
になった。未知との戦いは今始まった。全宇宙を飲み込んだ超スペースファイター、グラディウス。コナミ。Un peu malade, je tire n'importe où, n'importe comment. Alors ça, elle me demandait pas pourquoi. Je sais pas trop si ça a fait quelque chose de concluant. Alors faut pas oublier de relâcher le tir pour récupérer ses bonus hein, une fois qu'on a éclaté des ennemis. Sinon on se retrouve très malheureux. Ouais, ça peut servir. Me demandez pas comment. Ni pourquoi d'ailleurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vois plus où je suis. Il me remet à perpète, je suis sûr. En fait, faut pas canarder sans arrêt, hein, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Parce que le premier tir est un tir chargé. Donc du coup... pas ça. C'est une erreur, madame. C'est une erreur. Mais les bestioles arrivent en même temps. Mais j'en pouvais plus là. Qu'est-ce que ça va être le boss? Je peux pas y aller. Je t'ai déjà dit. Oui mais... Hein? Hein? Thank you.
Alors, par défaut, quand il tire pas, le vaisseau est super speed. Vous comprenez pourquoi je me suis permis d'avoir l'original pour les commentaires. J'ai soudainement envie de jouer à Gradius. Ou R-Type. Ce que vous voulez. Mais pas celui-là. I don't wanna die. Oh, on se refait tout. Oh non. Finalement, j'aurais peut-être préféré vous streamer chaud à Niki, les gars. Non, 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 non. Mais ça repousse. What? Apparemment, il a pas très très envie que je touche la partie du sol marron. C'est dommage, il avait bien morflé. Alors j'avoue, j'avais pas trop le temps de regarder. C'est si magré. Ce jeu. Je suis coincé déjà là-bas, moi, je suis déjà coincé là-bas. Ce jeu est une improbabilité. Je vous le dis, mes amis.
Je désire être détruit immédiatement. Je ne veux plus de mon rôle de clone bêta. Non, ce n'est pas possible. Cette expérience a été beaucoup trop dure. Oui, je suis très connu dans le domaine de la paperasse. Je suis le fameux Cabis. Je reprends donc la main pendant la crémation de ce clone, pas très efficace je trouve d'ailleurs, bah, pour vous faire la petite conclusion donc à propos de Desatopia, vous avez vu, il y a quand même du sport à l'écran. Le jeu est surprenant et du coup il vient renouveler un petit peu le genre en mélangeant des types de gameplay qu'on n'a pas trop l'habitude d'avoir dans un shmup. Du coup, le résultat c'est beaucoup de panique à bord. Mais vu que le gameplay est très riche et que le gameplay est également très souple, bah, du coup, on peut adapter ses façons de jouer par rapport à la façon d'aborder les tableaux. Et je pense que, à force de faire quelques runs là-dedans, vont se dégager différents types de chemins que les joueurs vont emprunter, selon qu'ils sont plutôt offensifs ou défensifs à jouer bien éloignés des choses. Je suis très curieux de voir en fait les super plays qui vont sortir, parce que j'ai aucun doute, c'est qu'ils vont être tous très très différents au début. Il n'y aura pas un chemin unique, quoi. À qui je recommande ce jeu? Bah, je le recommande aux gens qui ont envie de se marrer à l'apéro, parce qu'il fonctionne déjà très bien, vu la panique que c'est. Après, pour les gens qui veulent l'aborder du côté un petit peu plus gamer, bah, je le recommande chaudement, parce que du coup, dans une collection de shmup, c'est un titre qui donne un petit vent d'air frais, qui est totalement marrant, qui a des graphismes 8 bits pour faire genre, mais qui aurait très très bien pu s'en sortir avec des graphismes modernes, en fait. Des fois, c'est même limite un petit peu sommaire hein, à l'écran, comme c'est dessiné, mais heureusement, en fait, le tout était tellement bien animé et chargé qu'on n'a pas trop le temps d'y faire attention réellement. Donc, Desatopia, c'est vraiment validé et je vous le recommande chaudement. Je vous laisse avec les playlists habituelles, celle généraliste, celle des shmup, et le bouton d'abo, viens-y. À tout bientôt, ciao.